Il y en a qui sucent des sorbets, moi je préfère sucer mon pote. Quoi? Non, mais t'as dit quoi en premier? Oh, elle a posé son sac carrément! Quelle taille fait ta bête, Adèle? Comment ça? Et ouais, les gars, vous ne rêvez pas, on a investi dans un gigafond vert! Au mieux de qualité, obligé de faire du contenu de qualité! Nouvel épisode où on regarde les vidéos les plus drôles d'internet. Par contre, j'annonce, si tu rigoles, tu me dois un date avec ta maman! Déchaînement! Déchaînement! Ultra pince! Mais. Réflexion! Il a entraîné son pigeon comme si on était dans Pokémon! Vol! Mais c'est incroyable! Boudel! Retour! Mais je suis choqué retour. Carrément! Tremblement! Tremblement! Pince! Mais il l'a trop bien élevé! Je vous jure, je veux le même! Hein. Vent glacial! Roucoups! Aérovol! Ultra morsure! Mais c'est incroyable! Tornade. Toutes les attaques qu'il connaît! Tornade! Pic d'acier! Charge! Morsure! Non mais je veux le même là. Je veux vraiment le même. Tête d'acier. Plume d'acier. Torse bombé. Atterrissage. Bec suivi. Lame d'air. Je sais même pas quoi dire. Vent violent. Il est trop fort. Atterrissage. Bon, il est quelle arme, ma princesse? Moi j'ai quoi? Oui. Oh, il a envie de le démarrer. Non, mais t'as dit quoi en premier? Oh, elle a posé son sac carrément! Tu m'as dit quoi en premier? Oh, ils vont en découdre. T'as pas entendu? Non, mais tu m'as dit quoi en premier? Il est quelle heure, ma princesse? Je suis pas ta princesse, monsieur. Faut laisser les gens faire leur sieste! Comment ça? Je suis pas ta princesse. Tu veux pas être ma princesse? Il est quelle heure, ma dulcinée? Il a remis son écouteur. C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? Mais qui remet son écouteur pour parler? Tu te fous de ma gueule? Non. Toujours se méfier des mecs qui ont un début de calvitie. Hein. Y'en a qui mangent des gâteaux, y'en a qui mangent des compotes, y'en a qui sucent des sorbets, moi je préfère sucer mon pote. Quoi? Merde. Je suis gentil, je tolère tout le monde, ouais, je sais m'amuser. On en rigole avec tonton du jour où il m'a abusé. Oh. Que je fais, là. Le matin j'ai du mal à me lever, tout le monde me dit que je tourne pas rond, mais ma teub se lève en 2 secondes quand je vois les pieds du daron. Wesh, je vais vous laminer, je vais bien vous terminer. Ce qui me fait bander, c'est pas Zendaya, mais plutôt Pierre Niney. Yes. Non. Vos rappeurs ouais, bodybuildés avec qui on fitera jamais ensemble. Ils sont comme la merde sur mon doigt. Dès que je les vois, j'y mets un coup de langue. Wesh. Je vais te rouer de coups, je t'écrase, tu passes sous mes roues. J'appelle mon gang, mais avant tout, remplis-moi par tous les trous. Ma meuf m'a quitté en stap, en débarre. Ouais, je galère avec les amours. Fatou, on va voir si tu rigoles autant quand je vais voter Zemmour. Non. Un spécial quand je dis que Zemmour. Je fais pas d'album, tous les MC sont déçus. Quand je me baisse pour faire mes lacets, j'ai presque l'air d'un bossu. Mes punchs sont lourdes, appelle-moi MC Massu. Quand j'ai soif, tout le monde vient pour me pisser dessus. Putain! Qui m'a envoyé ça? Cette ligue professionnelle de combat d'oreiller. C'est sérieux? Mais c'est même pas un montage là, ça existe vraiment? Comment ça, des combats d'oreillers sur ring? Et en plus, il y a un public! Il y a des gens qui sont là, qui sont venus, qui sont déplacés pour voir ça! Le monde part aux couilles, hein. Ah ouais, ça se la donne en plus, hein. Attends, ils dansent ou... C'était long un peu, là! K.O. Attendez, genre le chien là, il va descendre tout ça? Mais il est trop fort! Mais... Moi-même je tiens pas une marche! Et genre là il y a un chien! Avec un giga cul comme ça! Qui fait mieux du skateboard que nous! Cliché que j'ai sur les Français, c'est que tous les Français sont vraiment vraiment romantiques. Ta cousine, je la tue! Mais moi, je la tue! Oh, la transition! Vraiment, vraiment romantique. Regarde directement, je vais rentrer dans le vif du sujet, frérot. T'as vu, j'ai pas. Oh, je l'avais vu cette interview. Quelle taille fait ta bête, Adèle? Comment ça? Quelle taille fait ta bête, Adèle? En Inde, on croit que chaque Français, ils sont très cultivés. Vas-y, remets-leur une deuxième fois. Oui, ça doit être ça. La cinquième, il arrive à s'auto-parier. Très cultivé. Ça se prend quoi, Romain? Moi, un classique burger, en fait. Mais c'est quoi, un classique burger, en fait? En fait, un classique burger, c'est comme un burger, mais un classique burger, en fait. Ok. Voilà.
Ouais. Et il parle d'art tout le temps. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce que pour 500 millions, tu laisses la sauce Michi sur la joue de ton daron pendant qu'il naisse? C'est ça la vraie question maintenant. Carrément. Direct. Une soirée en dégustation de vin. Salut les frères, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu bu. Tout ça pour vous dire que j'ai croisé un frérot sur la route qui faisait du stop. Il est totalement à ma droite. Voilà. Donc je pense que le frérot actuellement. Mais comment c'est possible? Le Clio 4, plein front. À quel moment tu te retrouves avec une biche dans ta voiture? Conjuguez-moi le verbe sexy au présent des Galeries Lafayette. Comment c'est au présent des Galeries Lafayette? Le verbe saper au passé Faubourg Saint-Honoré. Mais où est donc Ornicard? Ah, me faites pas jurer que ça c'est des Congolais. Là, pour hein. Du coup, franchement, j'ai vraiment une gueule à augmenter le SMIC et à baisser la TVA. Même le bouton qui se trouve sur le col de ma veste. Dégage quelque chose, on dirait une pièce de 2 euros. J'annonce prochain mariage où je suis invité, j'arrive comme ça. Toi, c'est quoi ton bodycam? Bah, moi, un. Mais je parle pas de bodycam de la semaine. Ouais, un seul. Oh, le et chien. Toi, c'est quoi ton bodycam? Moi, je suis pas un grand. Pas dans ça. Mais moi, c'est 2, je crois, 3. T'as une tête à être sage. Bon, c'est quoi ton bodycam? 2. Que 2 fois? Ouais. Dans toute ta vie? Ouais, dans toute ma vie. C'est beau. What's your body count? Whatever you think it is. Ah, chez les Américains? Only 3? 3? Only 3. Okay, what are you thinking it is? What do you think I'm asking? How many people I kill? Je vous trouve vraiment très sexy. Oui. Est-ce que ce serait possible de toucher votre matraque? Comment ça la matraque? Je vais vous reculer, monsieur. Je vais vous demander de reculer et de partir, de quitter les lieux. Pas très loin, je m'en fous en fait, de quitter les lieux. D'accord. Voilà. Bah, allez, je voulais juste toucher votre matraque, mais. D'accord, très bien. Allez. Bonjour, ce serait possible de me mettre 2-3 coups de R2 juste pour que je puisse respawn un peu plus loin? Pas possible. Je respawn loin de la base et. J'ai perdu tout mon stuff, c'est un pinceau? Ouais. C'est pour peindre? Ouais, ouais, tu peins. Comme ça, de haut en bas. Ouais. Il faut la peinture. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Bah, j'ai l'habitude de tremper, c'est pour ça. Ouais, bah c'est bon. J'avais une autre question. Ouais. Est-ce que ça vous dirait qu'on allait s'enculer derrière le rayon quincaillerie? Comment? Le rayon quincaillerie. Tu veux des renseignements? Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Je vais vous orienter vers quelqu'un parce que moi j'ai. Elle a vraiment pas compris. Je voulais juste qu'on allait s'enculer de base. Mais... Comment? Bon, ah là, elle a compris. Tu viens de me dire quoi là? Le rayon quincaillerie parce qu'en fait, c'est pour la peinture. Ouais, 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 j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Ah non, je crois pas. Non. On décèle un petit sourire. Je t'invite à avancer un peu plus loin. Et tu vas directement au rayon outillage et tu vas retrouver quelqu'un. Il a pas dit non. Tu recasses ma copine? Ouais, c'est moi ici, il faut que je recommence. Ah ouais, bah vas-y, essaye pour vous. Oh, le tome de One ça Piece. Ouais. Impossible de s'embrouiller. Au début, t'étais un fan de One Piece. Toi aussi? Bah oui, j'ai fait un les scans. Mais c'est trop bien. T'as pensé quoi du dernier chapitre? Nouveau meilleur pote, hein. Incroyable, en plus avec ce qui se passe. Ah là là, on n'est pas prêt pour la suite. Géo, c'est le mec qui m'a insulté là. Oh, c'est bon, rien t'es à foutre. Pas le centre du monde, Laura. Hein. T'as un jour dans les scans? Bah de fou, mec, je les regarde tous les jours. Mais c'est incroyable, mec. Hey, t'es mon nouveau meilleur pote. Incroyable. Si ma copine, elle me fait m'embrouiller avec un mec qui lit One Piece, j'annonce, hein, c'est mon ex direct. C'est de me travestir à la Bilal Hassani. Et du coup, il me faudra un maquillage raté à peu près comme vous, si possible. Ouais, oh le chien. Coup, prendre directement tout droit et aller chez nos CB. J'essaie de me travestir. Oh, la répartie, elle est forte. J'essaie de ressembler à Bilal Hassani. Ouais. Il me faudrait un maquillage raté. Il a flopé. Un maquillage raté comme vous, à peu près. Oh, le flop. Elle a reculé. Comment? Attendez, je vais. Elle va jamais revenir. Attends, mais... Non. Je vois quoi, là? Wesh, non. Tu joues à quoi? Salam alaikum, mon frère, bien tranquillement. Comment ça? Oh, le forceur. Quoi, tu fais le rebeu avec ton maillot marocain et tout? Ouais, wesh, d'Alix, je suis arrête un peu, arrête. Mais attends, mais arrête de faire le rebeu là, vas-y, que t'as un déchiffré, frère. Ouais, wesh, zombie, qu'est-ce que tu fais là? Wesh, non, tu fais quoi depuis tout à l'heure là? Oh, la coupe du rebeu originelle. T'as remarqué, frérot? C'est quoi cette gabana et cette reine, gars? Elle a bien la coupe, non? Et c'est la même que les rebeux. Je te jure, ça passe bien de ouf. Et t'as mis quoi comme ça? La cuenta. Tu connais. Oh là, ah, ça c'est réel, les robots ils ont tous cette coupe. Arrête, non, t'as rien. Attends, mais c'était pas le maillot du Maroc à la base. T'es ni marocain ni algérien. On fait la fête, on s'en va. Vas-y, j'avoue, t'as rien, Jazzy. Wesh, mon poster. C'est... Bon, mon les rosters, on n'a pas trop le temps, on est à la bourre. Kylian, tu choisis quoi? Moi, je veux la pièce. Bon, il a pas compris, ce sera face. Hop, pile, t'es nul, belle amortie. Elle a l'air bien con, Kylian. C'est long. Sur le terrain. D'accord, nickel, Michel. Rien que rien, il y a tout le quel côté quoi. Tu joues sur ah le non, terrain moi, c'est réel, je suis pas dans ça. Tiens, ça va faire du bien pour gagner. C'est quoi cet accent? Ah ouais, accent ça graille des petits flancs normal. Non, c'est pas un petit flanc, c'est un pastéis de nattes. Non, c'est pas pareil. Pastéis de nattes. Non, 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 pas la lolo, j'aime pas. Ah bon? C'est pas ce que tu m'as dit hier. Non, rien. Mais respectez le GOAT. Bah, à un moment, ça va s'arrêter, je sais pas. En plus, le mec a déjà gagné 1 euro. Ah, mais il a pas gagné qu'un euro, hein, il en a gagné des millions.
Ah ouais. Plein de millions même. C'est réel. Allez, vous rentrez. Non, je rigole. Wesh. Attention, vous rentrez. Ousmane, petit conseil pour marquer. Tu vis sur le montage, vraiment, c'est Marcus, le prime de l'humour. A-U. J'ai pas compris. Je crois qu'on commence à vieillir. Ah, moi, Hamdoullah, ça va, parle pour toi. Je crois qu'il est temps que j'arrête. Mais non. J'ai encore des cheveux. On a tout connu ensemble, t'imagines. C'est vrai. Les victoires, les défaites. Mais vraiment, c'est quoi cet accent? Les titres. La Seleção. Ça va aller, tiens, mon frère. La Seleção. Ça, c'est le Brésil, hein. Tenir le coup. Tout ce que tu veux, Georgina, mon frère. Juste bon, une petite on fois. Va te trouver un EHPAD. Hein. Bon, ça, j'aime trop les vidéos d'art en ce moment, comme ça, sur TikTok. Il y a des toiles de fou. Qui m'a envoyé ça que je le banne ?